Salut les amis, aujourd'hui nous avons une stratégie très simple mais très efficace qui m'a rapporté 300 $ en seulement quelques minutes. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une stratégie qui vous permettra de gagner de l'argent même si vous ne connaissez rien en trading. Cette stratégie est assez simple, il vous suffit de faire preuve d'un peu de logique et de regarder attentivement le vidéo pour comprendre les sens. Et d'ailleurs, étonnamment, la majorité des traders utilisent effectivement cette stratégie et elle peut générer des bénéfices. Aujourd'hui, l'objectif de vidéo est de passer de 150 $ à 400 $. Nous commençons. Pour cette stratégie, nous devons choisir un certain type de bougie. Nous choisissons Heiken Ashi. Nous choisissons également le time frame S15, soit deux bougies de 15 secondes. Nous échangeons sur des accords de 30 secondes. C'est également très important lors de l'ouverture de l'accord. Il vaut la peine de considérer, ouvrons-nous un accord à niveau horizontal, car près de niveau horizontal, il y a une possibilité d'inversion et notre accord sera tout simplement dans une perte. Nous essayons donc de ne pas ouvrir l'accord à des niveaux horizontaux proches et alors le succès de nos accords sera maximum. Et bien idéalement, lors de l'ouverture, il est souhaitable que nous ayons avant cela au moins 3 ou 4 barres de la couleur dont nous avons besoin pour un accord plus sûr. Et d'abord, nous devons sélectionner une paire de devises appropriées. Nous pouvons le faire dans le coin supérieur gauche. J'ai trouvé un excellent point d'entrée. Je place pour une augmentation. 30 $, nous échangerons principalement avec la tendance. Autrement dit, comme nous le voyons maintenant, la tendance est ascendante. Nous avons de nombreuses barres vertes et donc nous plaçons également sur une augmentation. Super! Notre accord a été conclu avec succès en plus. Je pense que nous avons fini avec cette paire de devises pour le moment. C'est déjà assez dangereux de placer davantage. Un renversement pourrait commencer à tout moment. Alors choisissons une autre situation appropriée. C'est également un excellent point d'entrée. Nous plaçons pour une diminution. Comme vous pouvez le voir, le graphique augmente assez rapidement avant cela et maintenant il subit une légère correction. C'est-à-dire qu'il diminue progressivement. Nous plaçons donc pour une diminution car nous prévoyons que le graphique descendra encore plus bas. Oui, comme nous le voyons, l'accord s'est conclu en moins, mais il n'y a rien de terrible à cela. Je suis sûre que le prix peut encore baisser. Nous aurons donc deux accords de 30 $ chacun pour battre les précédents et réaliser un plus. Super, notre accord s'est parfaitement conclu en plus, mais ces accords étaient assez dangereux. J'ai échangé de manière risquée, mais j'étais sûre que tout s'arrangera. Alors, trouvons une meilleure paire, c'est-à-dire une tendance compréhensible, et je pense que je place également 60 $. Ici, c'est un bon graphique. Regardez ici. Maintenant, une correction se produit. Comme vous pouvez le voir, nous avons une correction, puis une légère diminution, encore une augmentation. Et maintenant, après la même diminution, à nouveau, nous prévoyons qu'il y aura une augmentation. D'autant plus qu'on voit déjà une bougie verte vers le haut. Elle se fermera dans 10 secondes. Et après la fermeture de la barre, nous aurons un accord pour une augmentation. Oui. Il y a un risque car nous avons ouvert à partir du niveau de support horizontal, mais j'espère que tout va bien. Au fait, si vous souhaitez obtenir des informations plus utiles sur le trading ou si vous souhaitez gagner de l'argent avec le copy trading, vous pouvez accéder au lien dans la description, accéder à ma chaîne de Telegram et obtenir toutes les informations dont vous avez besoin. Je serai heureuse de vous voir là-bas. Notre accord en confiance s'est conclu en plus comme nous l'avions prédit tout et s'est parfaitement déroulé. Voici également un bon exemple, c'est très similaire à l'accord précédent. Nous plaçons donc en toute confiance pour une augmentation 30 $. Le prochain accord est en plus, nous avons 285 $. Je pense qu'il nous reste littéralement un accord solide et réussi et nous obtiendrons nos résultats et doublerons notre dépôt. C'est un bon exemple, il est différent dans le sens où il y a une croissance constante, mais pas encore de correction. Et ici, nous voyons déjà plusieurs bougies rouges, nous signalant que le prix va baisser et nous pouvons échanger avec la tendance et placer calmement pour une diminution. Je pense que l'accord sera plus.
Comme nous le voyons sans aucun problème, notre accord s'est conclu en plus. Nous avons déjà 313 dollars. Nous avons commencé avec 150 dollars avant d'oublier notre dépôt en utilisant cette stratégie simple. Trouvons quelques accords confiants et ramenons notre bilan à 400 dollars. Bon accord, nous voyons déjà ici plusieurs barres rouges, plus de 5. Nous pouvons échanger à toute sécurité avec la tendance et ouvrir pour une diminution. En toute confiance, il s'est conclu en plus, passons à une autre chose. C'est un bon exemple, on voit une longue diminution sans regarder du tout pour une augmentation. On a déjà une énorme de barre verte, on échange avec la tendance, on place pour une augmentation. L'accord se conclut en toute confiance. C'est un très bon exemple, regardez, nous avons une croissance et un déclin très clair. Et maintenant, trois bougies littéralement vertes sont déjà apparues, nous avons calmement pour une augmentation. L'accord se clôture en plus, nous avons sur le bilan 396 dollars. Au début de la vidéo, c'était 150 dollars, encore un accord et je pense qu'on peut terminer cette vidéo en toute confiance. J'ai trouvé un bon exemple pour vous quand ça ne vaut pas la peine d'ouvrir. Regardez, nous avons ici un niveau de résistance clair dans ces valeurs et un niveau de support clair quelque part autour de ces valeurs. Dans cette situation, il vaut mieux ne pas ouvrir du tout car le risque de retournement ici est grand. Ici, les chances de succès dans notre stratégie sont petites. Nous avons déjà ouvert ainsi une fois, donc nous ne le répétons pas. Mais c'est un exemple parfait. On ouvre pour une diminution. Regardez, la croissance droite est prolongée parfaitement. Légère correction et une longue chute. Nous ouvrons donc calmement pour une diminution pendant 30 secondes sans aucun problème et je suis que cet accord sera conclu dans un plus. Sans aucun problème, l'accord est clôturé à plus et nous avons 423 dollars sur notre bilan. Les amis, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas la chaîne de Telegram où il existe également un grand nombre de stratégies de trading intéressantes. Abonnez-vous!